algue très complète, la spiruline est un super aliment qui a une valeur nutritionnelle très élevée qui permet de réduire le taux de malnutrition, d'éviter les carences alimentaires, de réduire la mortalité infanto-juvénile et d'améliorer la santé des personnes séropositives ou des personnes atteintes du VIH. À Koudougou, la ferme spiruline de Nayalgué fait la production et la commercialisation de ce produit multivitamineux pour compenser les carences alimentaires de la population burkinabé et d'ailleurs. Nous avions depuis des années avant ce projet une petite ferme à Koudougou au sein du petit séminaire. Et cette ferme était beaucoup supportée ou subventionnée par des partenaires français. Et la production de cette ferme servait en fait à récupérer les enfants malnutris dans les crènes. Voilà, du fait bien sûr de ces valeurs nutritives. Et c'est au vu de ces résultats engrangés dans cette petite ferme que nous avons voulu créer cette grande ferme afin que toute la population burkinabé qui en veut puisse bénéficier des vertus de ce produit. Au-delà du Burkina, nous exportons aussi le produit un peu en Afrique et beaucoup en Europe. Avec une production annuelle de 10 tonnes, cette ferme de Locades Caritas Koudougou offre des opportunités d'emploi. C'est une ferme de Locades Caritas Koudougou, mais il faut dire que Locades Caritas Koudougou a eu l'accompagnement financier de l'État burkinabé pour pouvoir réaliser à 100% l'investissement de cette ferme. Cette ferme emploie à nos jours 63 personnes. Voilà, donc 48 femmes et 15 hommes. Donc nous pouvons dire que ces 63 personnes sont issues de 63 familles différentes. Et donc vous imaginez un peu la répercussion que cela a dans le changement de la vie de ceux qui y travaillent. Nous sommes actuellement à une capacité moyenne de 10 tonnes l'année. À en croire, la production de la spiruline nécessite une réunion de paramètres, entre autres le soleil et la chaleur. Comme toute entreprise commerciale, les difficultés ne manquent pas. Elle rencontre parfois une période de baisse production. Au temps de la pluie, par exemple, où il n'y a pas assez de soleil, ça fait une difficulté pour nous parce que nous revenons à une baisse de production. Et aussi du fait que les bassins sont à ciel ouvert, pendant la pluie, il y a un mélange de l'eau de pluie avec le jus. Donc, permanemment, les paramètres ne sont plus en bonne forme. Et ce qui fait que le temps de pluie constitue vraiment une cassette pour nous. Mais au-delà de ça, le temps de froid également constitue une période de ralenti, une période de ralentissement de production, parce que simplement le froid ne favorise pas une bonne chaleur. Et le produit nécessitant une bonne chaleur pour sa reproduction, c'est aussi une période de basse production. Pour les premiers responsables, d'autres difficultés sont liées à des matériaux qui n'existent pas sur le marché burkinabé et ils sont obligés de les importer depuis l'Europe. Et cela fait que l'entreprise accuse souvent des retards de livraison pour les ruptures sur le terrain. Si toutefois le marché s'accroît, les responsables comptent non seulement améliorer la qualité, mais aussi accroître la capacité de production. La ferme de spiruline de Nayalgué de Koudougou contribue aussi à la lutte contre le chômage. Elle emploie 63 personnes, dont 48 femmes et 15 hommes.